Quatre mois après le déménagement, Merck et moi continuons à espionner à l'extérieur de la zone américaine grâce à des agents subalternes. Mais le bureau central nous manifeste son mécontentement et nous dit d'espionner localement. Cette fois, Merck et moi décidons d'obéir. Surtout moi, car j'avais peur qu'on me livre aux Français. J'étais sûr qu'ils m'exécuteraient. Le 11 avril 1949, la Région 4 décide de mettre fin au bureau Peterson. Merck doit désormais partir, mais les services secrets américains souhaitent me garder, car j'ai conservé beaucoup de contacts avec des anciens nazis qui pourraient leur être utiles pour avoir des informations. Le CIC savait dès le début qui j'étais. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais ils ont décidé d'ignorer mon passé. Quand j'interrogeais des gens, tous apprenaient de moi, mais je n'ai jamais utilisé la torture pour les faire parler. Pour cette raison, tout le monde était satisfait de mes méthodes. Après la dissolution du bureau Peterson, la Région 4 du CIC a décidé de recentrer sa surveillance sur le Parti communiste en zone américaine. On nous a interdit de dépasser cette zone, sauf en cas d'impératif opérationnel. Mais la Région 4, où j'étais, n'a jamais respecté cette règle. Le 14 mai 1949, soit un an après avoir été interrogé par les Français, le journal Paris Presse l'intransigeant a titré « Arrêtez Barbie, notre bourreau ». Les anciens résistants lyonnais ont été voir l'ambassadeur des États-Unis pour manifester leur mécontentement et clamer qu'ils étaient contre mon recrutement auprès des services de renseignement américains. Le major George Rigging, chef du CIC d'Augsbourg, a voulu aborder avec moi la question de la torture qu'évoquait ce journal français. Vidal et Rigging ont rédigé ceci. Ce bureau central savait que l'individu concerné avait accompli quelques missions réussies pendant l'occupation allemande en France et qu'il avait été responsable de l'arrestation de plusieurs membres de la résistance française. Mais nous considérions qu'il avait simplement fait son devoir. Toutefois, nous ignorions que cet individu avait utilisé des tortures aussi barbares pour faire parler ses victimes. Le présent bureau est enclin à croire qu'il y a du vrai dans ses affirmations. Car une réaction de masse comme celle dont parle l'article ne peut pas surgir du néant, ni concerner un individu qui se conforme aux usages de la guerre. Quelques semaines après, Kolb et moi-même avons été dans une cave pour manger et boire une bière. À cette occasion, il m'a posé des questions sur mes méthodes interrogatoires durant la guerre. Je lui ai dit que je pouvais me montrer très dur durant les interrogatoires. Je pouvais questionner une personne pendant des heures, même pendant la nuit. Mais je ne me suis jamais servi de mes mains pour avoir une réponse. Le 7 juin 1949, le consulat français de Francfort a demandé pour la première fois au gouverneur militaire américain en Allemagne de participer à ma recherche, car j'étais pour la première fois accusé de crimes de guerre par la France. La sûreté américaine a donc transmis la demande à la police de Munich. Le 21 juin, mon pays a répondu que je n'étais pas signalé dans la région de Munich, mais que je serais inscrit sur la liste des criminels soupçonnés de meurtre. À partir du 28 août, la Bavière m'avait mis sur la liste des personnes recherchées. Mon ami Joseph Walter, qui était commissaire de police à Augsbourg, m'a annoncé que j'étais désormais sur la liste des personnes recherchées. Aussitôt que j'ai appris cela, j'ai été voir l'officier traitant du CIC de la Région 12 pour demander comment mon nom avait pu atterrir sur la liste des personnes recherchées. La Région 12 va alors répondre que c'est suite à la demande du juge d'instruction de la Région de Lyon, un certain Michel Poignet. La demande a été ensuite transmise par la Sûreté française à la police du Bade-Württemberg. Désormais, je suis recherché pour meurtre. Le major Rigging va recommander d'analyser le comportement de la Sûreté française et de déterminer que s'il n'y a aucun fondement juridique, il faut retirer mon nom de la liste des personnes recherchées et conseiller aux autorités françaises de revoir les directives sur les processus d'extradition. Le 24 avril 1950, lors du second procès de René Hardy, Jean Whiteway demande au bureau du renseignement du commandement américain en Europe de me laisser venir en France pour témoigner à Paris et de me laisser revenir en Allemagne une fois que tout sera terminé. Au début, le CIC et le bureau de renseignement ont accepté. Mais le 28 avril, ils ont fait savoir aux Français qu'ils ne me laisseraient pas venir en France, car je serais arrêté sur le champ. René Hardy sera une deuxième fois acquitté. Mais les Français ont du mal à me penser libre en Allemagne, avec les Américains qui me protègent. Grâce aux services secrets français, ils savent où j'ai été interrogé par leurs propres hommes. Et ils savent également que je travaille pour le CIC avec plusieurs camarades nazis. Mais les Français n'ont même pas demandé mon extradition. Peut-être ont-ils eu peur que je leur révèle le nom de tous les collaborateurs français qui ont peut-être une belle place aujourd'hui, comme André-François Poncet, haut commissaire français de 1949 à 1950. Je vais vous raconter. C'est à peu près entre mars et mai 1943. L'état-major d'Himmler a ordonné à notre unité de mettre en détention en Allemagne l'ancien président de la République, Albert Lebrun, et l'ancien ambassadeur de France à Berlin, André-François Poncet. En montant dans la voiture où se trouvait Lebrun, François Poncet a dit, ce que je n'oublierai jamais, « Lui aussi ?»
et cela m'a amené un petit sourire aux lèvres. J'ai aperçu François Poncet à Augsbourg en 1947, un jour où je me trouvais devant l'hôtel Zurpost. C'est peut-être lui qui entrave la France à m'extrader vers son pays, pour éviter que je n'avoue certaines choses, mais je n'en suis pas sûr. Quoi qu'il en soit, la France a une nouvelle fois fait une demande d'extradition. Mais les Américains n'ont jamais répondu. Ou alors ils ont répondu que je n'avais plus de contact avec eux depuis avril 1950. Mais à l'automne 1950, les activités du CIC sont reprises par la CIA, et j'ai donc continué mon travail, la collecte du plus d'informations possible sur le Parti communiste allemand. Mais peu avant Noël, Kolb a reçu un appel de Stuttgart, disant qu'il fallait se débarrasser de moi car la pression des Français était beaucoup trop forte. Au milieu de mars 1951, j'ai reçu la visite du patron du CIC de Munich. D'un coup, il m'a expliqué que le CIC avait décidé que, dans mon intérêt à terme, il valait mieux que je m'expatrie en Amérique du Sud avec ma famille. Sur le moment, je n'ai su que dire et j'ai cru qu'il s'agissait d'une plaisanterie. Mais ce n'était pas une plaisanterie. Les préparatifs ont commencé aussitôt. On a pris des photos dans la maison même pour les passeports. On m'a permis de faire venir ma mère et ma belle-mère à Augsbourg pour les adieux. Il m'en a beaucoup coûté de dire au revoir à ma si bonne mère. Et ma femme n'était pas en meilleur état que moi. Mais nous espérions vraiment nous retrouver un jour. Je remercie les Américains, surtout le CIC, de m'avoir permis d'être exfiltré d'Europe pour échapper aux Français. On a pu constater dans le secteur américain énormément d'agents français qui étaient à ma recherche. Pendant que le CIC trouvait une solution pour me sortir de là, j'ai dû me faire discret. En décembre 1950, la 430e section en Autriche menait une opération secrète. Le lieutenant, M. Hobbins, expert au bureau central du CIC, nous a rapporté qu'ils ont démarré en Autriche une opération qui se nomme Ratline. En d'autres termes, il s'agit d'exfiltrer les agents menacés en Amérique latine et en Amérique centrale. On m'a annoncé qu'il fallait que je donne 1000 dollars, avoir les documents nécessaires et qu'un agent nous aiderait à rejoindre l'Italie puis l'Amérique latine. Le jour du départ, j'ai attendu l'agent qui devait m'exfiltrer. Quand j'ai réellement eu le bon contact, exfiltration, et je suis arrivé à Salzbourg. Là, j'ai pris le train. C'est à la frontière austro-italienne que j'ai eu des difficultés. Je n'avais que des papiers provisoires d'apatride. L'Autrichien m'a fait des difficultés à cause de cela. J'ai dit « Écoutez, j'ai des enfants ». « Oui, fichez le camp », a-t-il répondu, « mais je ne veux plus vous revoir ici. » Nous avons réussi à passer. Les ports de Gênes et de Trieste sont les points de passage de tous ceux qui veulent quitter l'Europe. Et de plus, l'Italie n'oppose aucun obstacle administratif. Même les alliés n'effectuent plus aucun contrôle depuis la signature des accords de paix avec l'Italie en 1947. Nous, anciens nazis, sommes dissimulés dans la foule et nous pouvons nous procurer facilement des nécessaires à un visa pour partir en Amérique latine. L'organisation de bienfaisance croate était organisée par le professeur de théologie Krunoslav Stefano Draganovic. En 1943, il s'est réfugié au Vatican. C'est lui qui a aidé les Oustaki, les séparatistes croates, les antisémites et les fascistes à s'enfuir, en fournissant une assistance qu'il organisait lui-même au couvent de San Girolamo, qui se situe à Rome. Le CIC utilisait cette infrastructure qu'il avait créée pour exfiltrer ses agents menacés. Même le Vatican était au courant des agissements de ce croate. C'est Pie XII qui a conduit les affaires étrangères au Vatican, suite à la mort du cardinal Luigi Maglione. Donc je pense que vous avez compris, le pape lui-même était au courant et nous a aidés à sortir de l'Europe. Mais c'était pour des motivations purement humanistes. Car il y avait des protestants et des catholiques. Mais c'était en majorité des chefs SS. Je crois qu'il y en avait 200. J'en ai parlé avec Draganovic. Non, a-t-il dit, ça n'a aucune importance. Mais une chose est sûre, ce sont des anticommunistes. En d'autres termes, il faisait bien comprendre qu'il a aidé des criminels nazis. Quand les photos ont été prêtes, nous avons réfléchi ensemble à un nom pour les passeports. Nous avons trouvé le nom de Klaus Altmann, apatride. Je n'ai plus les autres renseignements en mémoire pour le moment. Mais le passeport avait une durée limitée et était établi pour un trajet aller Allemagne-Trieste en Italie. D'autre part, j'ai obtenu un visa du consulat en Bavière. Pour coordonner ma fuite, un expert du bureau central du CIC a télégraphié au service des voyages et informé qu'après vérification dans le fichier central du CIC, aucune information suspecte ne figurait sur la personne de Klaus Altmann, ni de mon épouse, Régine Altmann. Ensuite, le CIC a adressé un rapport au CTB à Munich, qui stipulait que moi, sous le nom de Klaus Altmann, présentais un grand intérêt pour les services secrets américains et que j'allais voyager pour une mission extrêmement délicate. Mais également que l'intervention du CIC pour m'aider à m'enfuir se faisait à la demande d'une autre agence américaine.
Pour une question de sécurité absolue, ni moi ni ma femme ne devions nous présenter au consulat autrichien et italien. Ils devaient nous délivrer notre visa pour que nous ne soyons pas obligés d'aller au consulat. Le 28 février 1951, le COM nous a annoncé que nous devrions être prêts à partir, car le consulat italien de Munich nous délivrait un visa de transit. Nous sommes donc autorisés à entrer à Trieste. Le 9 mars 1951, ma famille et moi-même quittons Augsbourg pour Salzbourg, accompagnés des agents Georges Nigoy et Jack Gay. Le trajet jusqu'à Salzbourg a été agréable, surtout pour les enfants. Nous avons passé la nuit à l'hôtel et le lendemain, nous avons visité la ville. Après 3 jours à Salzbourg, nous avons discuté avec les Américains à l'hôtel. Ils m'ont remis les billets pour Gênes, en Italie. Ils m'ont expliqué que j'y étais attendu par un ecclésiastique catholique qui prendrait en charge toutes les démarches ultérieures pour le voyage en Amérique du Sud. À moi de choisir le pays où je voulais m'installer. Je les ai remerciés de ces années de collaboration et de m'avoir accordé une nouvelle chance. Tout cela ressemblait aux adieux d'un employé à ses amis et collègues de travail en quittant la société. Je n'avais jamais pensé à m'expatrier. Mais les événements m'avaient pris au dépourvu et je me suis fait à l'idée de quitter l'Allemagne pour aller vers un avenir incertain. Le 12 mars 1951, ma famille et moi sommes arrivés à Gênes. J'ai cherché l'ecclésiastique des yeux et je l'ai aperçu, debout, non loin de nous. Il est venu à notre rencontre, m'a appelé par mon nom et m'a montré une photo d'identité de moi qu'il tenait cachée dans sa main. Il était accompagné d'un moine qui s'est présenté sous le nom du père Déméter. Je n'ai jamais su qui il était en réalité. Après une brève conversation, nous sommes partis en taxi jusqu'à l'hôtel national. Le professeur Draganovic, notre accompagnateur, y était très connu. Nous n'avons pas eu besoin de remplir la fiche d'hôtel. J'ai eu l'impression, au cours des 15 jours que nous y avons passé, que cet hôtel était tabou pour les autorités italiennes. Draganovic nous a proposé de choisir la Bolivie comme destination. Un petit pays, très beau, peu peuplé, qui offrait beaucoup plus de possibilités économiques que l'Argentine ou d'autres pays d'Amérique du Sud. Nous nous sommes donc décidés pour la Bolivie. Malgré tout, Draganovic m'a donné une recommandation pour un Argentin qui occupait un poste élevé au gouvernement Perón. Cela au cas où je changerais d'avis en cours de route à propos de la Bolivie. Draganovic nous a procuré, à moi et notre famille, 2 documents. Un visa d'entrée en Bolivie et une autorisation de voyager qui avait été émise par le Comité international de la Croix-Rouge. Le 16 mars, il nous a conduits au consulat bolivien de Gênes, où j'ai dû remplir les demandes avec mes nouveaux renseignements biographiques. J'ai ensuite obtenu un visa d'entrée pour moi et ma famille, puis nous nous sommes rendus au bureau du CICR de Gênes, où j'ai présenté mon visa d'entrée en Bolivie, puis j'ai demandé un document de voyage temporaire. Pour prouver mon identité, je lui ai montré le document de voyage temporaire que m'avait transmis le haut commissaire américain en Allemagne. Draganovic a mené cette affaire avec une facilité et une élégance que j'admire aujourd'hui encore. Les portes de toutes les autorités lui étaient ouvertes. Cela a commencé par les documents, les passeports de la Croix-Rouge. C'est le Vatican qui a fourni ces documents, y compris une attestation sans condamnation antérieure. Après la réception du passeport, nous nous sommes rendus au consulat général de Bolivie à Gênes. Le consul général Arce nous a invités, ma famille, le père Draganovic et moi-même, à prendre le thé. Il a envoyé un câble aux autorités d'immigration à La Paz pour demander notre autorisation d'immigration, que nous avons reçue en quelques jours. Le professeur Draganovic nous a rendu visite sur le bateau et nous lui avons fait nos adieux. Un prêtre, mais aussi un homme joyeux et sans prétention. Le 10 avril 1951, nous sommes arrivés à Buenos Aires. Dès que je suis arrivé, j'ai immédiatement reçu du gouvernement d'Argentine l'autorisation de rester en Argentine, à condition d'accomplir des missions de renseignement pour le gouvernement argentin. J'en ai parlé à ma femme, qui s'est élevée avec énergie contre cette proposition. Le réseau tentaculaire des Américains m'avait donc poursuivi jusqu'à Buenos Aires, car la lettre de recommandation venait en réalité des Américains. J'ai donc refusé. 6 jours plus tard, nous avons poursuivi notre voyage en train pour aller en Bolivie. Nous sommes arrivés le 23 avril à La Paz, où nous avons été accueillis par un collaborateur de Draganovic. Je suis arrivé à La Paz, en Bolivie, avec ma famille. J'ai remarqué que je souffrais du mal des montagnes, car nous étions à 3650 mètres d'altitude. Nous nous sommes installés à l'hôtel Italia, qui était l'un des hôtels les plus sales et les moins chers de la ville. Il n'y avait pas de savon à l'hôtel. Chez Davids, le patron de l'hôtel Italia qui avait émigré d'Autriche, m'a montré un magasin qui vendait des articles de toilette. Mon dictionnaire à la main, je suis entré dans la petite boutique. Le patron m'a demandé ce que je voulais et j'ai cherché le mot savon. Il m'a regardé et m'a demandé d'où je venais.
Je dois préciser qu'en Bolivie, n'importe quel Européen ou Américain est tout de suite identifié comme gringo par la couleur de sa peau et désigné par ce terme. J'ai dit au vendeur que j'étais allemand. Immédiatement, il a remonté sa manche et m'a montré le matricule de camp de concentration tatoué sur son bras. Lui aussi était un gringo. Quelques semaines après notre installation à l'hôtel Italia, Chedevitz m'a déclaré au bureau d'immigration et 3 jours plus tard, les cartes d'identité d'étrangers étaient prêtes. C'était un record. Après quelques semaines à l'hôtel Italia, ma famille et moi nous sommes installés à la pension Taborga où je commençais à gagner un peu d'argent en réparant des réchauds à alcool. Comme j'avais indiqué que j'étais mécanicien de métier, la vieille dame est venue un jour avec des réchauds à alcool en disant que je pourrais sûrement les réparer. Par chance, j'ai souvent utilisé ces réchauds quand j'étais jeune, pendant mes sorties. J'ai fait le travail sans problème. Ma réputation de technicien était faite. Au cours de l'année 1951, j'ai commencé à prendre contact avec la colonie allemande de La Paz. Et quelques semaines plus tard, je suis entré au club allemand. Je me suis aperçu que c'était un morceau de pays natal. J'ai même rencontré Hans Hertl, qui était un ancien correspondant de guerre nazie. Un jour, je suis allé chez lui et il m'a demandé si je n'aurais pas envie de devenir gérant d'une scierie. J'ignorais tout des scieries, mais je pensais être capable d'en gérer une. J'étais très intéressé par la zone subtropicale dans laquelle se trouvait cette scierie. Elle était à 120 km de La Paz. J'ai accepté. Le 22 juin, j'ai rencontré M. Ross, le directeur de l'entreprise. Dans un premier temps, j'ai laissé ma famille à La Paz. Le voyage vers l'inconnu a commencé, à bord d'un camion chargé de vivres, d'outils et d'ouvriers. Durant 2 jours, nous avons roulé sur des pistes de montagnes dangereuses, puis nous sommes redescendus vers la forêt d'Acajou de Caranavi. Nous avons passé la nuit à l'hôtel Hamburgo, à Chulumani. Et le 23 juin 1951, la Syrie était là, sous mes yeux, à 2000 mètres d'altitude et avec un climat formidable. Les ouvriers et leurs familles, au total une 60aine de personnes, habitaient de petites maisons de bois primitives. L'environnement, la jungle à perte de vue, coupée du monde. Pas de journaux, pas de radio, rien. Pour moi, c'était l'endroit idéal pour me remettre des années harassantes de la guerre et de l'après-guerre. J'étais très impressionné par la jungle, la solitude et le calme. C'était ce que je recherchais. Je me suis complètement détourné du passé et j'ai oublié la guerre. Ma femme s'est chargée de la Pulperia, le magasin des vivres. Pour les enfants, l'endroit était idéal. Je me souviens que notre fils avait un ami, un petit noir de son âge. Je touchais 100 dollars par mois, j'étais logé et partiellement nourri. Pour l'époque, c'était bien payé. Nous avions quelques poules et des fruits en abondance. Les enfants ont très vite appris l'espagnol avec leurs amis. Moi, je me suis appuyé sur mes notions de latin et j'ai rapidement été capable de lire les journaux. Chaque jour, 2 à 3 camions venaient livrer des troncs à la scierie. En me promenant dans la section des arbres, j'ai pu constater de grandes croix gammées peintes. C'est un Allemand exilé, originaire des Sudètes, qui m'a expliqué que pratiquement tous les ouvriers étaient partisans du mouvement nationaliste révolutionnaire, dirigé par Victor Paz Estensoro. Je me suis abstenu de tout commentaire. Mais retrouver la croix gammée, 6 ans après la guerre, en pleine jungle bolivienne, m'a fait réfléchir. Quelques semaines après ma prise de fonction, Ross est venu à la scierie et m'a annoncé que les propriétaires voulaient venir faire ma connaissance et évaluer mon travail. Quelques jours plus tard, une jeep est arrivée et 5 hommes sont descendus, tous des juifs allemands. Nous sommes entrés dans la scierie où se trouvaient environ 200 troncs porteurs de la croix gammée. Tout de suite, ils m'ont ordonné de faire disparaître cette saloperie. Quelques ouvriers ont alors entrepris d'effacer les croix avec un chiffon mouillé. Aucun n'a posé de questions sur moi ou mes origines. Au début de l'année 1954, la société a fini par vendre la scierie. J'ai donc décidé de retourner à La Paz, où ma famille avait déménagé 2 ans auparavant. Dans une petite cour, j'ai décidé d'installer une petite scierie et j'y ai fabriqué des caisses en bois pour transporter des conserves. Un peu plus tard, j'ai décidé d'agrandir ma société, qui se nommait Madera Alemana. Et je me suis équipé d'un tour pour fabriquer des objets en bois. Mes gains étaient modestes, mais ils étaient suffisants pour vivre et faire vivre ma famille. Et j'avais mon indépendance. Durant l'année 1956, l'un des anciens propriétaires de la scierie de Yoreta a décidé de reprendre contact avec moi et m'a proposé d'acheter son affaire de bois à La Paz. J'ai décidé d'accepter. Par cet achat, je grimpais encore d'un échelon dans ma carrière, en devenant un industriel du bois. Avec l'expansion de mon activité, je devais maintenant trouver le moyen d'avoir un statut juridique pour moi et ma famille, qui nous offrirait une autorisation de séjour tout en permettant de voyager hors de Bolivie.
J'avais donc demandé un passeport allemand à l'ambassade d'Allemagne, mais le certificat d'origine me posait problème. J'ai pris un avocat pour assurer les aspects juridiques, dans un cabinet qui s'occupait essentiellement de nationalisation, de passeport, etc. Mes documents ont été rassemblés puis présentés aux autorités boliviennes compétentes. En octobre, j'ai reçu le décret attestant que j'étais désormais citoyen bolivien. Le décret était signé par le président, Silas Soiseau, et il était formellement valable. J'ai tout de même dû déclarer sur l'honneur devant un tribunal que je renonçais à la nationalité allemande. Fort de mon expérience acquise dans les Yungas, j'ai décidé de me lancer en 1960 dans un nouveau projet qui était de monter ma propre scierie à Cochabamba. J'ai même eu le soutien financier de juifs allemands installés en Bolivie avant la guerre. J'ai toujours gardé des rapports très tendus avec la communauté juive, mais avoir de l'aide de leur part pour pouvoir monter mon affaire, eh bien, ça ne me posait pas du tout de problème. Avec ma famille, nous nous sommes installés dans une villa avec jardin, dans la rue Abdon Saavedra, où d'ailleurs j'avais une magnifique vue sur la Paz. En 1965, j'avais créé la société Standard Industrial, et les exportations de quinquina démarraient. La société Boehringer Mannheim cherchait un contact à la Paz pour établir une filière d'exportation. Un jeune Allemand est venu me trouver, il travaillait à la Paz comme employé commercial. C'est lui qui m'a mis en contact avec Boehringer Mannheim. Nous avons eu la visite du directeur du département quinquina qui était chargé des achats d'écorce en Bolivie. Les États-Unis venaient de s'engager dans la guerre du Vietnam et il fallait de grandes quantités de quinine pour lutter contre la malaria. Les exportations passaient par Arica au Chili puis partaient pour Mannheim. C'était une entreprise juteuse. À l'époque, j'employais 4000 cueilleurs et l'argent coulait à flot. J'avais un compte aux États-Unis, Boehringer envoyait l'argent par la Deutsche Sud. Là-bas, l'argent était changé puis réparti. Bien sûr, entre-temps, le gouvernement bolivien du président Barrientos utilisait mon savoir-faire en matière de répression et me faisait venir de temps en temps au quartier général pour former les membres du renseignement militaire chargé de combattre les opposants politiques. Je leur apprenais des techniques d'interrogatoire, la torture ou des tactiques anti-guérilla. En 1964, le gouvernement m'a nommé conseiller militaire pour la lutte anti-insurrectionnelle et m'a donné des bureaux au ministère de l'Intérieur, au service de renseignement et à l'aéroport de La Paz. Quand le général Charles de Gaulle est venu le 28 septembre 1964 en Bolivie, les autorités boliviennes m'ont placé en détention de protection. Je les ai remerciés et je leur suis entièrement reconnaissant. En novembre 1965, au club allemand, nous avons rencontré le premier conseiller de l'ambassade d'Allemagne et son collègue américain. Dès que je les ai vus, j'ai dit « Tiens, le chargé d'affaires de l'ambassade avec ses amis juifs ». Suite à cette phrase, j'ai été renvoyé du club pour « activité antisémite », pour reprendre les termes de leur papier. Je les ai menacés également sur le fait que je pouvais faire intervenir la police secrète. Mais tout cela n'a servi à rien, et hélas, j'ai été interdit du club allemand. Entre-temps, j'ai eu la visite d'un certain Holm, qui voulait que je devienne informateur pour le service de renseignement allemand, le BND, pour combattre les communistes. Cette personne m'a demandé ce que j'avais fait dans le passé. Je lui ai affirmé que je n'avais participé à aucun génocide durant la guerre et que je n'avais commis aucune erreur. Il a été stupéfait de mon esprit patriotique envers l'Allemagne. Lors d'un déjeuner, je lui ai affirmé que j'entretenais des relations privées et professionnelles avec le colonel Rafael Loazia, le chef des services secrets boliviens, mais aussi Quiroga Terán, ministre de l'Intérieur, Alberto Alipas, ambassadeur de la Bolivie à l'ONU à New York, Antonio Argadas Mendieta, qui a été élevé au rang de vice-ministre de l'Intérieur en 1965 par la CIA, Armando Escobar, maire de La Paz, et Mario Torres, vice-président du Sénat et ami intime du syndicaliste bolivien Juan Lechin. Il m'a demandé comment j'avais fait pour tous les connaître. Je lui ai affirmé que c'était grâce à mon activité. Holm m'a alors annoncé que j'étais le profil idéal pour informer les services de renseignement allemands de l'évolution économique et surtout politique de la Bolivie de René Barrientos. Il m'a donc recommandé à son service, et le responsable du BND de l'Amérique latine a décidé de me recruter. Je portais désormais un nom de code, le nom de code Adler. Je me suis donc engagé verbalement à ne jamais révéler ma collaboration avec les services secrets allemands aux organes de sécurité et de renseignement boliviens. Je devais fournir des informations sur les partis boliviens, qui d'ailleurs étaient présents lors des élections du 3 juillet. Ils m'avaient expliqué qu'ils avaient peur que la Bolivie ne tombe entre les mains des communistes, comme Cuba est tombée à cause de la révolution. Je devais donc envoyer les informations à une adresse de couverture à Bad Bevensen. Puis elles étaient transmises à une autre adresse à Nordenham, près de Hambourg. J'ai transmis 35 rapports sur la menace que présentaient les partis de gauche.
Grâce à cela, je percevais 500 Deutsche Mark qui étaient versés sur un compte de la Chartered Bank of London. En décembre 1966, on m'a demandé d'effectuer une formation en République fédérale d'Allemagne. Pour moi, le danger était trop grand, alors je leur ai envoyé cette lettre. Je voudrais nous épargner, à vous comme à moi, les désagréments qu'un hasard malencontreux pourrait occasionner. Je me sais visé depuis des années par un mandat d'arrêt émis par Ludwigsburg et Wiesbaden. Je sollicite donc votre compréhension. Ils ont vérifié si ce que je disais était vrai. Le parquet de Wiesbaden s'est appuyé sur une instruction du service central de Ludwigsburg, qui a affirmé que j'étais bien recherché. Holm m'a informé que le BND a jugé que je nuisais à sa sécurité et a donc décidé de ne plus faire appel à moi. J'ai accepté cette décision avec énormément de compréhension. J'ai rencontré Solinger, un autre agent travaillant pour le BND à Madrid, et j'ai accepté de recevoir 1000 Deutsche Mark d'indemnité. Je savais qu'ils avaient retrouvé ma véritable identité, et j'ai décidé de raconter tout mon passé au sein de la Gestapo en France, et surtout pourquoi je ne voulais pas aller en Allemagne de l'Ouest. Heureusement, mon dossier à la BND n'a jamais été transmis à la justice. Je sais au fond de moi que je peux compter sur leur soutien. Durant l'été 1967, je suis devenu associé de la Transmaritima Boliviana, une nouvelle compagnie avec des capitaux publics et privés. J'ai décidé de faire jouer mes relations et je suis devenu directeur de ce prestigieux projet qui visait à créer une flotte de commerce bolivienne. J'ai eu un passeport diplomatique qui m'autorisait en tant que haut fonctionnaire à me déplacer avec prérogative au nom de la compagnie maritime et de l'État bolivien dans le monde entier. Vers 1968 et 1969, je me suis rendu au Pérou, au Brésil, en Espagne, au Portugal, au Mexique et en Argentine, dans le cadre de mon travail. À la demande du ministère bolivien des Affaires étrangères, l'ambassade des États-Unis à La Paz m'a délivré un visa A2, une sorte de laissez-passer pour entrer aux États-Unis. Grâce à mon immunité diplomatique, je me suis rendu en Allemagne en juillet 1970 et en février 1971 pour négocier avec la compagnie maritime APAG et la Deutsche Südamerikanische Bank. Mais j'étais également représentant en Bolivie de la société La Estrella, qui a son siège social à Lima. Elle avait été fondée par mon ami Schwend, un ancien camarade SS. Mais les représentants de cette société étaient tous d'anciens nazis, comme l'ancien lieutenant-colonel Otto Skorzeny, qui avait des contacts avec l'Afrique du Nord et le Proche-Orient. Cette société exportait du matériel qui pouvait être douteux, mais elle promettait avant tout de nous protéger les uns et les autres des poursuites pénales. Nous entretenions toujours un très bon esprit de camaraderie. Pour ainsi dire, la Estrella était la plaque tournante de l'anticommuniste latino-américain. Avec Schwend, nous étions en lien avec la société suisse Oerlikon afin de fournir au Pérou 15 missiles anti-aériens ainsi que des microphones directionnels et des armes légères à silencieux. Ces dernières seront utilisées par les services secrets péruviens pour lutter contre la guérilla. Les guérillas péruviennes s'approvisionnaient auprès de nous, mais dès qu'elles recevaient les armes, nous disions aux services secrets péruviens qu'elles avaient des armes et des grenades à leur disposition et qu'elles étaient à tel endroit. Du coup, les commandos spéciaux des services secrets péruviens et boliviens ont organisé des opérations pour tous les arrêter. Je restais en lien avec le BND, mais par le biais d'un autre service. Ce service était chargé de la vente d'armes. J'ai été le correspondant de la société Amola, mais également le représentant de Merex. Nous étions protégés par le BND, et nous passions commandes pour livrer des armes, comme des AMX-13, des M41, des armes ou des missiles. Malheureusement, le parquet allemand a ouvert une instruction contre les marchands d'armes de Bonn. Nous avons donc abandonné Merex et nous l'avons remplacé par la société d'Aubertine à Hambourg, qui était dirigée par un haut fonctionnaire du BND, Erwin Hochschild. Le 6 avril 1968, mon fils Klaus Jörg m'a annoncé qu'il voulait épouser la femme qu'il aimait. Il m'a alors dit que c'était une Française. Je lui ai tout de suite annoncé que j'étais contre ce mariage, car les Français étaient à ma recherche. Malgré mon opposition, il se maria avec sa bien-aimée, au risque de dévoiler ma vraie identité. Les Français ne me laisseront jamais tranquille. Ils aiment trop leur justice et vont me rechercher jusqu'à ma mort. Le danger de se faire démasquer était partout, comme le procureur général de Hesse, Fritz Bauer, qui voulait absolument retrouver Martin Bormann. Nous lui avons donné des documents falsifiés conçus par nos soins en Amérique du Sud, et il s'est précipité droit dans notre piège. Un journaliste allemand, Herbert John, s'est mis lui-même à nous traquer en recherchant, en interrogeant des individus pour nous retrouver. Ma fille, Ute, souhaitait travailler à Mannheim, dans la société chimique Boehringer, pour me représenter. Pour cela, elle a demandé une autorisation en République fédérale d'Allemagne à l'ambassade. Après qu'elle eut mentionné son lieu de naissance, je ne pensais pas qu'ils allaient faire la concordance avec ma véritable identité.
Grâce à leur enquête, ils ont appris que j'étais venu en République fédérale d'Allemagne et qu'ils ne pouvaient pas m'arrêter parce que j'avais une immunité diplomatique de la part de la Bolivie. Ils n'ont jamais pu m'arrêter. Par contre, je savais que j'aurais beaucoup de fil à retordre avec ce couple qui chasse tous les criminels d'Asie, les Klarsfeld. Leur nom est très connu, et Beate Klarsfeld avait monté de nombreux dossiers contre moi. Elle souhaitait réveiller la ville de Lyon pour que l'Allemagne reconnaisse que justice soit faite. Grâce à une survivante d'Auschwitz, Fortuné Benguigui, et d'ailleurs si mes souvenirs sont bons, j'avais fait déporter ses trois fils, elles se sont mises à me rechercher. Ce qu'elles ont fait a eu un tel retentissement que le procureur de Munich, Manfred Ludolf, a déclaré qu'il était prêt à collaborer avec Beate Klarsfeld. À la réouverture de l'instruction, il a mentionné que je connaissais le sort des déportés. Du coup, il a également dit que je résidais en Bolivie sous le nom de Altman, et il a donné les coordonnées du journaliste Herbert John. Ludolf a transmis deux photographies de moi au couple Klarsfeld, et ils ont donc décidé de faire appel à l'Institut d'anthropologie et de génétique humaine de l'Université de Munich. En faisant la comparaison de ma photo en 1943 et d'une autre prise de moi à La Paz en 1968, pour eux, il y avait une concordance, et il s'agissait bien de celui qui était recherché. C'est-à-dire Klaus Barbie, mon ancienne identité. Du coup, les Klarsfeld ont demandé au gouvernement français une procédure d'extradition. Mais la France ne souhaitait pas rouvrir l'affaire Barbie, car elle savait que je connaissais l'ampleur de la collaboration entre la France et l'Allemagne. Ils avaient peur que je fasse des révélations qui pourraient en faire tomber plus d'un en France. Ils ont peut-être eu raison. Tout s'accumulait pour moi. Mon entreprise de la Transmaritima était endettée. En 1973, l'entreprise en question cessa toute activité et fut liquidée en février 1979. En janvier 1972, suite à la procédure de la Cour suprême à mon encontre, j'ai été révoqué de la direction. Après ces galères, je suis parti vivre dans un faubourg de la capitale péruvienne, à Lima. Le 19 janvier 1972, je faisais encore la une des journaux en France. Le lendemain, un journaliste français sonne à ma porte et me dit qu'il est un représentant envoyé par l'agence France Presse en Amérique latine. À partir de ce moment, il s'est produit un changement dans ma vie d'émigré auquel je ne m'étais pas attendu et que je considérais même comme impossible. Ce journaliste disait qu'il se nommait Monsieur Brun et qu'il avait appris mon adresse par Friedrich Wend. Il prétendait avoir des informations importantes à me communiquer. Je lui ai donc fixé un rendez-vous le lendemain chez Schwend à Santa Clara. Le lendemain, je suis allé au travail, comme d'habitude, au bureau de la Transmaritima Boliviana, qui était dans les locaux de la compagnie maritime franco-péruvienne, sur l'Avenida de la República. En chemin, j'ai acheté un quotidien, et j'ai vu en première page mon visage, en gros plan. Et en gras, les titres « Criminel de guerre démasqué, le chef de la Gestapo lyonnaise vit au Pérou et en Bolivie sous le nom de Klaus Altman. La chasseuse de nazis Beate Klarsfeld est attendue à Lima pour faire extrader Altman Barbie. » Je ne sais pas. Est-ce que c'est Schwend qui en a trop dit à John ? J'en sais rien. Je n'en ai jamais rien dit. Schwend ne savait pas grand-chose sur moi. Je ne l'avais pas connu pendant la guerre. J'étais stupéfait. Heureusement, la compagnie générale transatlantique française m'a assuré qu'il se foutait de ce qui était marqué dans la presse. Ce qui m'a soulagé. Les jours suivants, ce fut l'enfer chez moi. On aurait cru qu'Adolf Hitler en personne venait de ressurgir. La presse, la radio et la télévision assiégeaient la maison, jour et nuit. Si j'allais en ville avec ma femme, les reporters nous suivaient. Il fallait que j'apparaisse à la télévision, à la radio, dans les journaux. Le 28 janvier 1972, vers 9h du matin, une vingtaine de policiers ont sauté par-dessus le mur de ma maison et m'ont brutalement poussé dans une voiture de police qui attendait là. On m'a emmené dans un commissariat où j'ai été interrogé. J'ai protesté haut et fort et réclamé être mis en relation avec l'ambassade de Bolivie dont je relevais officiellement. Il a fallu que je montre mon passeport diplomatique aux policiers pour qu'ils comprennent leur erreur. Mais ils m'ont dit que sur ordre du ministre de l'Intérieur, je devais immédiatement quitter le Pérou, parce que j'étais un ressortissant bolivien et que le gouvernement péruvien ne voulait pas de problème avec le gouvernement français. Ils m'ont dit que je devais partir, parce que Klarsfeld arrivait pour faire du tapage. J'ai eu 15 minutes pour boucler mes valises. J'ai pris ensuite la direction de la Bolivie via Arequipa et Puno. Dans l'après-midi du 28 juin, au volant de ma vieille coccinelle jaune pâle, je suis enfin arrivé à la frontière. Il y avait un groupe de 15 policiers qui m'attendaient et ils m'ont accompagné à La Paz. Mais je craignais de plus en plus d'être enlevé par les services secrets israéliens. C'est pour ça que j'ai pris la décision de disparaître. Je suis donc parti quelques jours chez mon ami Hans Gimmer sous la protection de la police.
Le 1er février 1972, l'ambassadeur de France à La Paz a reçu de Paris une instruction pour demander formellement mon extradition vers la France. Même le président français Georges Pompidou a appuyé la demande avec une lettre personnelle envoyée au président Banzer. Après sa première tentative, Beat Klarsfeld est retournée en Amérique latine et cette fois elle sera accompagnée d'Ita Allauenbrenner, qui a perdu son mari et ses 4 enfants à cause de moi. J'ai obstinément refusé de les voir et donc ils ont décidé de se mettre devant le bâtiment de la Transmaritima pour dénoncer la politique bolivienne qui me protège. Quelques heures après, Beat Klarsfeld sera de nouveau arrêtée et expulsée de Bolivie. J'ai tenté d'expliquer la situation à mon ami Hans Gwinner et je lui ai dit « ça n'en finit pas, vu que ces Français n'arrivent pas à digérer les échecs que je leur ai fait subir ». C'était pareil en 1940. Les Français ne pouvaient pas croire que le caporal Adolphe ait battu à plate couture et en 6 semaines la grande nation, qui ne s'en est jamais remise. Et c'est la même chose avec moi. Quand même, ils devraient nous fiche la paix à moi et leur héros national. Mais une fois qu'on est devenu une star mondiale, il faut s'attendre à ce genre de plaisanterie. Quoi qu'il en soit, je savoure mon triomphe sur mes poursuivants internationaux. Je ne suis pas un ressortissant français, donc l'extradition est pour le moment exclue. Les 2 et 3 février 1972, j'ai été interviewé par un journaliste français, un certain Ladislas de Hoyos. Cette entrevue était bien entendu sous surveillance bolivienne. Et ce journaliste m'interrogeait en espagnol comme prévu. Mais il m'a posé une question en français et moi je lui répondais en allemand. Puis il m'a demandé de prendre une photo en main en me demandant si je pouvais l'identifier. Je lui ai assuré que non, que je ne connaissais pas cet individu. Mais en vérité, je savais que c'était Jean Moulin. C'était un reportage qui serait visible sur les télévisions françaises. Ce que j'ai su plus tard, c'est que la photo que j'avais prise en main a servi à m'identifier. Eh oui, via mes empreintes. Mais il y a également une ancienne résistante en France qui m'a reconnu, une certaine Simone Lagrange. Comme je savais que c'était un piège, j'ai alors avoué au journal Au Globo que j'étais bien Klaus Barbie. Le 2 mars 1973, la France a lancé un mandat d'arrêt contre moi. Puis j'ai été arrêté et incarcéré à la prison centrale de La Paz. Dans cette prison, il n'y avait pas de cellule avec barreaux et portes fermées. Les détenus conservaient leurs papiers et leur propre argent. On avait le droit de se déplacer librement dans la cour, de faire du sport et de discuter autant qu'on voulait avec les autres prisonniers. Pour 200 pesos, j'ai pu obtenir un lit de fer, un matelas et une petite lampe. Comme je n'étais pas considéré comme un criminel ou un prisonnier politique, j'ai pu en quelques jours transformer ma cellule en bureau. À l'intérieur de la prison, j'ai décidé d'organiser un tournoi de football. J'ai donc acheté des maillots, des chaussures et j'ai remis un prix aux communistes parce qu'ils avaient gagné. Ironique, n'est-ce pas ? Finalement, la Cour suprême a constaté qu'au vu de l'absence de convention d'extradition avec la France, je devais être libéré. Mais le 13 juillet, avant même que j'ai pu être libéré, j'ai de nouveau été incarcéré. Parce que j'étais lié à des transactions de devises. Mais je n'étais pas le seul dans ce coup. Schneider, Merck, Schwend et moi, on avait monté une large activité de change illégal. Nous avons échangé des devises péruviennes contre des dollars en Bolivie et grâce à ça, on a obtenu des revenus confortables. Mais Schwend a dénoncé Schneider Merck à la Chambre de commerce franco-péruvienne pour change illégal. Schneider Merck a avoué le trafic et chargé lourdement Schwend. La Transmaritima Boliviana avait reçu des paiements pour les transports de marchandises péruviennes dans des cargos boliviens depuis l'Europe vers des ports péruviens. Ces paiements en dollars étaient ensuite virés en Bolivie sur le compte bancaire de la société de la Banque centrale de l'État. C'est moi, en tant que directeur de la TMB, qui avait fait une partie de ces transactions en accord avec le directoire. Une opération commerciale irréprochable donc, mais tout ne se passe jamais comme prévu. J'ai été nommé l'acteur majeur du change illégal de devises, dont les autorités péruviennes évaluent le volume global à plus d'1 million de soles, ce qui vaut 262 000 dollars. Du coup, cette accusation nous a valu à Schwend et à moi-même une extradition vers le Pérou. Mais je suis sûr que ce n'était qu'une ruse, ils voulaient m'amener en France via le Pérou, et je suis sûr également que tout ça était un coup de Klarsfeld. Le président Banzer a refusé la demande d'extradition, et le 25 octobre 1973, le jour de mes 60 ans, j'ai été libéré. J'étais toujours flanqué de 2 policiers qui ne me lâchaient pas d'une semelle. Mais tant que tout ne sera pas réglé, je n'aurai pas la sérénité que je souhaite. Après ma sortie de prison, j'ai trouvé refuge chez mon ami Gwinner, et quelques semaines plus tard, j'ai emménagé dans une maison à Oruro. Cette fois, mes poursuivants me traquaient jusqu'en Bolivie où je me sentais en sécurité jusqu'à aujourd'hui. Le 20 juin 1974, j'ai écrit à Gwimmer. Lentement mais sûrement, je suis pris d'inhibition que je n'ai jamais connue auparavant. Peut-être que le bon Dieu reviendra un jour à la raison et qu'il me remettra sur la bonne pente.
Je dois avouer que maintenant, j'ai peur pour ma vie. Par contre, j'ai lu le livre de ce Michael Goldberg, un fils de déporté. Il y a raconté qu'il a voulu m'assassiner. Il m'a surveillé à la Paz, et à cause de ses doutes, il n'a pas voulu m'abattre. Pour lui, je ne valais pas une mort rapide, mais plutôt une mort lente, comme mes victimes. Il s'est dit que la justice ne serait pas faite. Ça m'a rassuré, mais à la fois, s'il avait tiré, la prison bolivienne ne l'aurait pas laissé sortir vivant. Je me souviens également que le 18 juillet 1972, vers 11h du matin, j'ai arrêté ma Volkswagen sur la Plaza San Francisco de La Paz. De l'autre côté de la rue, quelqu'un m'a interpellé en espagnol. J'ai levé les yeux et j'ai vu deux hommes que je ne connaissais pas. Le plus petit des deux est venu vers moi et s'est présenté. Ribo, reporter à Paris Match. Ribo m'a dit qu'il voulait absolument me parler, qu'il venait de m'apercevoir par hasard, mais qu'il me cherchait depuis quelques jours déjà à La Paz. Il logeait au Crillion. J'ai demandé le sujet de l'entretien et aussi pour quel journal travaillait l'Américain. Il m'a répondu dans un anglais si mauvais que j'ai compris qu'il avait menti. Je leur ai déclaré tout de go en espagnol que je n'avais pas envie d'être interviewé. Mais il n'a pas abandonné. Comme il venait de Paris, je lui ai demandé comment allait René Hardy et où il vivait désormais. Il m'a répondu qu'il connaissait René Hardy et qu'il vivait désormais au Luxembourg et que si je lui accordais un entretien, il m'en dirait plus. J'ai pris un crayon et j'ai fait un petit croquis pour l'aider à trouver le bureau de mon avocat. Au moment où je faisais ce schéma sur le capot de ma Volkswagen, l'Américain a pris une photo, et juste après, Ribo m'a pris en photo avec son collègue. La rencontre devait avoir lieu à 15h20, mais je n'avais aucune intention d'y aller. J'ai préféré charger un policier de se retrouver à 15h chez mon avocat, de demander aux deux hommes leur passeport et de me communiquer leur identité. Vers 17h, j'ai reçu les informations que j'avais demandées. J'ai juste été stupéfait d'apprendre que le reporter américain n'était autre que René Hardy. J'étais furieux qu'il n'ait pas eu le courage de s'identifier. J'ai tout de suite dit au policier de retourner chez mon avocat et d'arrêter les deux hommes. Mais après le contrôle, il s'était dépêché de quitter les lieux. Le lendemain, j'ai lu une déclaration de Hardy dans un journal. Il me traitait de lâche car j'avais fui l'interview. Le journal bolivien contenait aussi un texte que Ribo m'adressait directement. Il me demandait de le retrouver au Crillion. Mais le ministère de l'Intérieur m'a donné l'ordre par l'intermédiaire de mon policier de ne pas donner suite. Peu après ma libération, je suis parti au Paraguay en compagnie de Roudel et nous avons été accueillis en personne par le président Stressner. Malheureusement, deux journalistes nous ont vus et la France a immédiatement envoyé une demande d'extradition. Mais nous sommes partis assez rapidement. Le Paraguay a reçu la demande d'extradition deux jours après notre départ. Je suis désormais ressortissant bolivien et la Bolivie n'a pas reconnu les crimes de guerre. Donc les demandes d'extradition de la France sont refusées les unes après les autres. Je dois avouer que je dois une fière chandelle à Banzer. Pour cela, il m'a demandé d'être un conseiller pour son gouvernement. Je disposais de bureaux sous la direction du renseignement du ministère de l'Intérieur, ainsi qu'à l'état-major de l'armée bolivienne. De là, je suis devenu conseiller en sécurité, et j'ai participé à la restructuration du renseignement militaire avec pour objectif de transformer la section de lutte anti-insurrectionnelle en section d'opération psychologique. Quand le ministère de l'Intérieur a besoin d'un conseil, il m'appelle et me demande « Comment feriez-vous? Vous auriez une idée ?» Il m'interroge surtout sur des questions militaires, des tactiques de guérilla, les groupes de combat, etc. Évidemment, mon nom est une référence pour eux dès qu'il s'agit de choses purement militaires. Tout le monde a pu noter que les méthodes employées par les contrôles politiques sont un copier-coller des méthodes de la Gestapo. Dès qu'une personne était arrêtée, il fallait l'humilier, la faire souffrir physiquement et mentalement. Je leur ai donné tout bonnement mes conseils de spécialiste en interrogatoire. Grâce à mon aide, ainsi qu'à la Estrella, le gouvernement bolivien a pu recevoir 20 millions de cartouches de la société autrichienne Hirtenberger. Plus tard, ceci sera qualifié d'aide au développement. En juillet 1978, Banzer est renversé et décide de fuir la Bolivie. Durant les deux années qui suivent, le pays va connaître trois élections, trois coups d'État et six présidents. Même après la chute de Banzer, je suis encore bien intégré dans les cercles du pouvoir de l'appareil répressif bolivien. Il faut un régime anticommuniste, et je leur ai conseillé de tirer profit de la cocaïne, qui est en augmentation. Le 17 juillet 1980, le général García Meza Terrada a pris le pouvoir. Ce putsch a été soutenu par les États-Unis, qui préparaient une campagne de déstabilisation pour l'opposant afin d'éviter un deuxième Cuba. Suite à cette victoire de Terrada, j'ai été promu coordinateur de l'appareil répressif des services secrets. J'ai pu contribuer aux tactiques de la campagne de déstabilisation et à la réforme des services secrets boliviens, exactement comme dans mon passé. J'étais un point fort du régime bolivien, et tous le savaient.
Je me suis engagé par contrat avec Arce Gomez pour transmettre ma connaissance de la répression héritée du nazisme au service de la lutte contre l'opposition. En échange, Arce Gomez m'a nommé lieutenant-colonel honoraire de l'armée bolivienne, le grade le plus élevé en Bolivie pour les citoyens naturalisés. J'avais également des réunions avec les fiancés de la mort, avec Joachim Fiebelkorn, où nous faisions le point sur la situation dans le pays. C'était un groupe fanatique qui me rappelait ma jeunesse. Le putsch du 17 juillet 1980, c'est moi qui l'ai organisé et formé. J'ai préparé des grands plans de la ville, avec des drapeaux et avec une chronologie du coup d'État. Tout a été préparé avec précision par mes soins. Les armes et les véhicules blindés ont été livrés grâce à moi. Tout était parfait. Mais bon, ce régime n'a pas duré longtemps. Le 4 août 1981, Garcia Meza quitte la présidence et s'exile en Argentine. Le narco-régime vient de tomber. Le 10 octobre 1982, un nouveau gouvernement a été élu. Les arrestations, les perquisitions, la torture, c'est terminé. Nous avons été dissous et les prisonniers politiques ont été libérés. Dès sa prise de fonction, le nouveau président bolivien, Hernán Siles Zuazo, s'est engagé auprès des médias nationaux et internationaux à me livrer à la France. Le président Siles a même envoyé une unité spéciale pour arrêter Dele Chiae et Pagliai, qui étaient des terroristes recherchés en Italie. Apparemment, il y a eu un échange de coups de feu avec Pagliai et il est mort dans l'avion qui le ramenait en Italie. Quant à moi, mes amis insistaient pour que je quitte le pays quelque temps, car le gouvernement Siles risquait de me causer des ennuis. J'ai consulté mon avocat, et il m'a dit que je n'avais aucune raison de quitter la Bolivie, car la demande d'extradition émise par la France dans les années 72-74 avait été rejetée, et que celle de la République fédérale d'Allemagne, en instance à la Cour suprême de Sucre depuis mai 1982, se trouvait devant les mêmes considérations juridiques que la demande française. Quoi qu'il en soit, j'étais rassuré. J'avais plusieurs scieries dans la région. Nous pensions, ma famille et moi, avoir désormais de belles années paisibles devant nous. Mais le destin s'est joué de nous, et avec quelle cruauté. Mon fils, qui a maintenant 34 ans, a vu un jour un vol de vautour et m'a dit « Regarde papa, moi aussi je volerai comme ça ». Je n'y ai pas prêté plus attention. Mais il y a 8 jours, il est venu me voir et m'a tendu un certificat et m'a dit « Regarde ce que j'ai là ». J'ai regardé ce certificat de plus près et il était marqué qu'il était habilité à faire du deltaplane. Je lui ai dit « Tu es cinglé ». Il m'a aussitôt répondu « Et toi, qu'est-ce que tu faisais autrefois ?» Ah, qu'est-ce que je peux répondre à ça ? Rien. Le 1er mai 1981, ma femme et moi sommes allés voir notre fils faire du deltaplane près du Tanaris. Malgré ce pressentiment qui me dévorait le cœur, je l'ai laissé prendre son envol. Mais tout d'un coup, devant nos yeux, son deltaplane s'est crashé. Malgré l'aide médicale arrivée sur les lieux, il n'a pas survécu. Mourir à 34 ans. Maintenant, son âme est partie voler auprès des oiseaux qu'il aimait regarder voler. À l'automne 1982, j'ai eu encore l'idée de fuir dans un pays voisin de la Bolivie. Mais malheureusement, on a appris que ma femme souffrait d'un cancer et je devais rester à ses côtés jusqu'au bout. Elle est malheureusement décédée le 6 décembre 1982. Quant à moi, la vieillesse me rattrape. Je suis atteint de polynévrite et je dois avoir des soins tous les jours. J'ai subi également un accident vasculaire cérébral et j'ai dû passer quelques semaines à Santa Cruz. J'étais entouré de ma belle-fille et de mes 3 petits-enfants. Depuis la mort de mon fils, je m'occupais d'eux. Le 25 janvier 1983, j'ai été incarcéré pour escroquerie. Mes associés m'ont fait comparaître devant le tribunal car j'avais empoché les 10 000 dollars pour un transport maritime en Europe, mais le transport ne s'est jamais fait. Je leur ai dit que j'allais payer ma dette de 10 000 dollars, mais qu'en revanche, je refusais de payer les 10% de pénalité de retard. Je savais que je pouvais être extradé à tout moment en France. Mais le nouveau ministre de l'Intérieur, Mario Roncal, a empêché mon ami et secrétaire Alvaro de Castro de régler la dette demandée. Tout ce que j'ai su, c'est qu'Alvaro s'était présenté à la Contrôleria et a appris que quelqu'un d'autre avait payé la dette. Eh oui, vous vous doutez bien, c'est la France qui a payé. Du coup, la France préparait mon extradition. C'est la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, autrement dit la DGSE, qui a monté une opération pour me faire sortir sans attenter à la souveraineté de la Bolivie. Je suis monté dans un avion militaire français qui avait été camouflé en appareil de la société bolivienne privée Lloyd et j'ai été transféré à Cayenne. Le soir du 4 février, vers 21h, la prison a fait un énorme coup monté pour les journalistes. Ils ont mis le directeur de la prison sous une couverture et l'ont transporté jusqu'à l'aéroport. J'ai trouvé ça très intelligent. Quant à moi, j'ai été emmené au ministère de l'Intérieur. On m'a annoncé que j'étais déchu de la nationalité bolivienne, puis j'ai été transféré à l'aéroport El Alto. L'avion me transportait à Cayenne, en Guyane française.
Pendant le vol, j'étais accompagné par une équipe de la télévision bolivienne. Au début, je pensais que j'étais expulsé vers l'Allemagne, donc j'étais plutôt plaisantin et détendu. J'ai même demandé combien coûtait un rasoir électrique. Puis l'appareil s'est posé au bout de 7 heures de vol. Je ne savais pas du tout où j'étais. Mais tout à coup, j'ai vu des uniformes français qui venaient m'arrêter. Ça a été plus qu'un choc pour moi. J'étais à l'aéroport de Rochambeau, en Guyane, et ensuite on m'a fait prendre un second avion qui cette fois m'emmenait en France. Je me suis alors plaint d'avoir été expulsé illégalement et que j'en appelais aux décisions de la Cour suprême de mon pays, la Bolivie. Mais en vain. J'ai été transféré dans un appareil militaire qui m'a emmené à Orange. Et de là, j'ai été transporté par hélicoptère vers la base militaire de Corba, près de Lyon. Puis à 22h25, j'ai été transporté à la prison de Montluc. Les belles années étaient passées. Niet, rien ne va plus. Me voilà de retour sur mon lieu de service durant la guerre. Mon procès a débuté le matin du 11 mai 1987, dans la salle des pas perdus du palais de justice de Lyon. J'ai été accusé de 8 chefs d'accusation pour des crimes perpétrés en ma qualité de chef de la Gestapo de Lyon. Le juge d'instruction, Christian Ries, a établi l'acte d'accusation pour crime contre l'humanité. Quand je suis entré dans la salle, j'ai pu constater ces centaines de personnes me regardant avec un air déçu parce que j'avais un âge avancé, que j'étais maigre, mais surtout, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais été opéré de la prostate dans la prison de Saint-Paul peu avant le procès. Quant à moi, on m'a fait installer derrière une vitre blindée et j'écoutais attentivement la lecture des noms des 110 parties civiles, mais toujours avec un sourire. Un ami, François Genoux, a conseillé ma fille pour trouver un avocat. Mon avocat fut finalement Maître Jacques Vergès. Je voyais des caméras de télévision partout. J'étais considéré comme un événement qu'on devait absolument filmer. Quand Jacques Vergès parlait, il parlait des responsabilités des Français en Algérie et en Indochine. Ça n'avait rien à voir avec moi, mais bon. J'ai décidé de prendre la parole et je n'ai pas hésité à dire que j'avais été enlevé de mon pays, la Bolivie, et que j'avais été transporté par force en France. Je considérais dès lors ce procès comme illégitime, puis je me suis retiré. Finalement, je n'ai jamais été confronté à mes victimes. À chaque fois qu'on me demande de comparaître, je refusais. J'ai juste appris que les témoins que j'avais interrogés pendant la guerre et qui étaient encore vivants expliquaient comment je faisais parler les personnes de la résistance. Ils ont expliqué mes techniques de torture, tout. Les journalistes ont même dit qu'ils ont ressenti une certaine émotion face à ces témoignages. Le 4 juillet 1987, devant 700 flashs des journalistes qui sont venus de 26 pays, on m'a déclaré coupable des crimes dont on m'a accusé et j'ai été condamné à la réclusion à perpétuité. Lors de mes dernières déclarations, j'ai dit haut et fort que je ne faisais que combattre la résistance et que je devais être lavé de ces accusations d'avoir fait déporter des juifs. J'ai dit devant le tribunal, en français, « J'ai combattu durement la résistance, à laquelle je témoigne du respect. Mais c'était la guerre, et la guerre est finie. Vous savez, je n'ai jamais été contre la réconciliation franco-allemande et j'ai toujours approuvé les actions de la résistance. Si je pouvais me rendre dans un cimetière militaire où les résistants reposent à côté de l'armée française, je n'hésiterais pas une seconde à leur rendre hommage. Ne serait-ce que par respect devant la mort, qui fait tout oublier. » J'ai donc été mis dans les prisons de Saint-Paul et Saint-Joseph à Lyon pour le restant de mes jours. Pour du moins ce qui me restait à vivre. Très vite, on m'a annoncé que j'étais atteint d'un cancer du sang et de la prostate, et que je n'en aurais plus pour très longtemps à vivre. J'ai succombé à mon cancer le 25 septembre 1991, à l'hôpital Lyon-Sud, 4 ans après avoir été emprisonné. J'ai été ensuite incinéré et mes cendres ont été dispersées dans le fleuve. Une vie incroyable, n'est-ce pas? Riche en rebondissements. Sachez une seule chose, j'ai toujours cru en mes idéaux. Je n'ai jamais cessé de croire en mon Führer. Tout ce que j'ai fait ou commis a été fait en son nom ou au nom des idéologies en lesquelles je croyais. Je sais que mon nom restera dans l'histoire pendant très longtemps. Et je sais d'avance que le peuple français ne pardonnera jamais mes actes. Mais la seule chose que je peux dire, c'est que dans une guerre, on vous oblige ou vous êtes obligé à faire certaines choses qui ne vous seront jamais pardonnées. Je termine mon histoire ici. Je crois que je vous en ai assez dit sur ma vie et ma carrière. Mais n'oubliez jamais, je dis bien jamais, que nous sommes tous nés pour se battre pour ce en quoi nous croyons.